Il y a 2 ans, on a eu cette bonne nouvelle, comme quoi on pouvait avoir une accession et tout. Du coup, on a lancé les démarches et là, cette année, enfin, on a notre maison. C'est ma chambre et je vais faire la peinture et mettre des autocollants et décorer ma chambre. Déjà, nous avons 3 enfants, du coup, ça va quoi, ils sont contents d'avoir, enfin surtout notre fille qui le sait, elle est assez grande, d'avoir sa petite chambre et nos 2 garçons qui sont encore tout petits. Ça va nous changer, surtout que là, on vivait chez mes parents. Et d'avoir notre petit foyer à nous, oui. On aura notre petite vie à nous. Là où je suis heureuse, c'est que la présidente avait validé l'année dernière le fait de baisser des prix sur des terrains d'Imbéa-sur-Mer pour pouvoir permettre à des familles, entre guillemets, sociales, de pouvoir accéder à la propriété. Et grâce à ce travail qui a été fait avec la SECAL et la Province Sud, on a pu mettre des programmes LAPS en place, donc comme cette maison, où on permet à des familles avec des petits revenus d'accéder à la propriété. Par exemple, cette famille aujourd'hui, ce jeune couple à qui j'ai remis les clés, c'est un loyer de 68 000 francs qu'ils vont payer pendant 20 ans, c'est-à-dire qu'à 50 ans, ils seront propriétaires de leur maison.